Depuis la mise à jour 2024-14.3, les modèles 3, modèle X et modèle S équipés de la technologie UWB Ultra Wideband pouvaient profiter d'une fonctionnalité. Il suffisait de s'approcher du coffre, rester un certain temps derrière et le coffre s'ouvrait tout seul. Tesla avait sorti cette petite vidéo assez fun démontrant le système. Malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les modèles. Mais Hans Otto, avec son commandeur et ses sexy buttons, corrige ça et permet à certains véhicules maintenant d'obtenir la même chose. Je vous montre ça juste après le générique. Alors, pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faut bien sûr avoir les sexy buttons et le commandeur d'installer dans sa voiture. Il faut surtout mettre à jour l'application du téléphone et celle du commandeur en version 4.8.1. Et à partir de ce moment-là, vous avez des nouveaux menus qui apparaissent dans le commandeur, notamment Presenting Trunk, qui veut dire ouverture du coffre par approche. Pour activer la fonctionnalité, il faut forcément passer en mode actif. On voit qu'ici, tout de suite, on vous avez des conseils et vous disent que la version est juste en bêta, donc il faut se méfier quand même avec les réactions de l'application. Après, derrière, vous avez deux méthodes d'activation, soit le Doors Button, qui vous permet, entre guillemets, de valider le fait que quand vous reviendrez, le coffre s'ouvrira, et le Always, c'est-à-dire que dès que vous approcherez, la voiture détectera votre téléphone et directement ouvrira le coffre. Alors la fonctionnalité pour réouvrir le coffre est simple. Il suffit d'aller l'activer dans l'application d'Hans Otto. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez l'activer tout le temps. Donc dès que la voiture se ferme, que vous approchez et que vous restez 6 secondes dehors, le coffre s'ouvre. Alors, perso, je ne vais pas conseiller ça. Après, il y a une deuxième méthode qui me semble beaucoup plus opportune. Il suffit d'ouvrir la porte. Et avant de sortir et de la refermer, si vous rappuyez sur le bouton, hop, la voiture a compris que vous sortiez. Et du coup, elle va se fermer. Et quand vous rapprocherez, elle se rouvrira. Donc là, la voiture vient de se fermer. Donc maintenant, si je m'approche, elle va me détecter logiquement. Voilà, elle me détecte, elle clignote. Comme quoi, elle m'a bien détecté. Et au bout de 6 secondes, si j'ai pas ouvert de porte ni rien, hop, le coffre s'ouvre comme par magie. Voilà, super petite fonctionnalité quand on a les mains prises. Vous allez faire vos courses, vous revenez, hop, ça s'ouvre tout seul. Allez, je vous laisse là-dessus. Si les sexy buttons vous intéressent, sachez que vous avez moins 5% sur le site Hans Otto avec mon code Tiburon. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos, et mettez un petit pouce bleu, ça soutient, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao bye, salut !